An bɛna kuma mun kan? A fɔlɔ min ye Sefɛtu mara, olu ye kɔnɔ dɔ fara kɔnɔ in appareil caman de tun bɛ kɔnɔ in na, an da don o la. N'an bɔra yen nɔ, min ye comment ça s'appelle Mamadu Kasongo, a ye an kumakan ta bɛ ka baara kɛ n'a ye, n y'o de fɔ, ko barika de bɛ ko la. An kana an da don ko dɔnni na, a bɛ kɛ koba ye, n'an y'an da don ko o ko la, Ala de barika don o ko la. Sefɛtu kɔnɔ a bɛ k'i fasa waleɲuman dɔn, k'i ka fasa an ka bɔ. An tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, min ye Dirisi ye, dugu tun bolo k'a bɛ kɛ min ye, i y'a faamuya ba, a ma kɛ o ye. Dirisi bɛ ka fasa bi ka bɔ hakɛya la, o caman de jɔlen bɛ kalan na, o de bɛ ka fɔ la, an dun b'u jate o la. An tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an ka Dirisi sanuba, n'o ye Abulayi Wotu, o cɛ ale kumana, ko faden ko min b'i kan bɔ i la, k'i kana kun ka di dɛ, min ye Abulayi Wotu, ale kumana, an b'ale kumakan ta n'a ye. N'an bɔra yen nɔ, min ye Sago, o cɛ hali bi. On va vous dire, on va vous dire quoi. En tout cas, il y a combien de balles qui sont très normales. Voilà ça, on va se faire un peu de temps. 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 On va se ka mali ta tiɲɛ ka mali ta dogo a la pɔpisɔn y'a kɛ fo ka diɲɛ dugukolo bi dan tɛgɛ sɔrɔ. An bɔra yen nɔ min ye kɔmasafu mɔdu kɔnɛ mɔdu kɔnɛ kuma cayara ale nɔfɛ k'a ma ye i y'a faamuya ba senyɔrɔw ka jala bɛ kɛ yɔrɔ min na ko mɔdu kɔnɛ ma ye yen nɔ o fila ninnu an fana ninnu bɛ kɛlɛ la o ma mɔdu kɔnɛ sara o ma kɛra ɛndikapu bɛɛ bɛ k'i ta fɔ fasɔn de fɔ hakilina min aw la ka ɲɛsin hakilina min bɛ aw la ka ɲɛsin an ka fɛn sigiyɔrɔ ma latɛ barika don a b'an tigɛ o bɛ kuma o kan n'an bɔra yen nɔ min ye faransɛ an y'a fɔ yan k'u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ gendarmerie o tɛ siran k'u ka to kun a mɛri yɛrɛ bɔra ka kɛ an bɛ mɛri kumakan kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye ukraine olu kɛra togo sago ye an b'olu can ca yan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ alizeri olu ka tɔrɔtu bɛ ɲɔgɔn na alizeri n'u ka tɔrɔtu bɛ ɲɔgɔn na ja alizeri bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ka alizeri bila. Tɔrɔso ninnu y'a fɔ ɲɛma n'u tun mɔgɔ bɛ ka zuru bolo an bɛ ni u ka tɔ tɛmɛ kelen kɔnɔ bi n'u ko tɔ ko jɛkulu kɔ ye ɲɔgɔn kɔ bɛɛ jɛkulu kɔ ye malo ye jɛkulu kɔ y'a fɔ ɲɛma la fiyewu ta fɛ ni ka tiɲɛ alizeri n'a ka tɔrɔso bɛ ɲɔgɔn na an da dogo la n'a tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye alasan dama ni watara ale ka jamana kɔnɔ den minnu bɛ faransi yan o kɛra kalafiyɛnnaw ye bɛɛ tɛ a caman kɛra kalafiyɛnnaw ye tɔrɔso bɛ kɔn bila dogo yɛrɛ filɛ. Nous n'avons pas comment faire pour nous tâter les nuits, pour nous tâter, car nous sommes tous les deux pour ça. Voilà comment on a parlé pour nous. On nous fait un temps à l'aïa. Nous n'avons pas en bas de nous entendre de nous. Aïe, je veux pas passer à ce terme. En terminant, quand vous nous, il y a un temps que j'ai son trotté au Canada, 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 au bɛna jɛn k'o fura kɛ ne yɛrɛ y'o fura ta k'o kɛ o ye fura fɛn fɛn bɔ buguriya ni ka pɛrɛsite kɛ n y'a bɛɛ kɔnɔ n y'a bɛɛ nɔnɔ n y'a kɔnɔ n y'a bɛɛ kɔnɔ n y'a bɛɛ sɛgɛn fura ninnu kɔnɔ a tɛ fɔ ni mɔri o ye foro ci sɛnkantan ka tɔgɔ bɛ to foro yɛrɛ fura kɛ o ye n terikɛ ka ɲɔgɔn ye n'i y'a wele dɔrɔn o y'i ka kɔnɔ ta n'o ye pewu. Ne bɛ na an bɛ na kuma min ye an terikɛ dɔn ka n'a jɛ ɲɔgɔn ale fana tɔgɔ kɛ tuma. 2023, o bɛ ka ɲini o ma ye. An bɛ appel la fɛ ni mɔgɔ min kɛra an dɔgɔninw ye fɛn ye. I y'a faamuya b'a la a b'an wele. N bɛna don n ta in na ka di aw ma. An terikɛ a n'a jɛɲɔgɔn a dɔgɔnin tun na min ye Kɔmasafi Kayi mara. I y'a faamuya b'a la dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Kɔmasafi Village de Kolonikoyi. I y'a faamuya b'a la fini bɛ bɔ yen. A tɔgɔ Kokuta Kokuta Kulubali tɔgɔ de ko Kokuta Kulubali. A bɛ bɔ kolonin ko in i y'a faamuya ba la baraji kuma de janya baraji kuma de janya fa tɔgɔ de bakari kuluba bamuso tɔgɔ bamusa kandebe bakari kuma uti 2023 ka ɲini fan bɛɛ fɛ kuma ye ni mɔgɔ min taara yen fɛ n ye telefɔni nimoro n bɛna o di aw ma a b'a wele a fancinin o sigiyɔrɔ bɛnnen sɔrɔ fɔ la a tɔgɔ de ye keyiba kulubali ale ka telefɔni nimoro 0753 81 33 22 o ye fantini ka nimoro min ye a wolofa yɛrɛ ye u ka telefɔni nimoro o ye 79 85
1986, on est parti de Cameroun. C'est là qu'on dit, en tout cas, la première balle, tout le monde vient là. Tout le monde vient là, le bon taille, la femme, t'es malade là. Quoi, c'est bien là. Le bon été,
应该能找到相关数据。就像一些老司机，我那些啦，我这边环境也麻烦的，人家就进来到说，没就多吧了。所以，我是那应该是一些那边还是因为不够咱们人民币那边是蛮多，我啦，这些我们不错，以前的不错的，是吧？巴拉干的不拉多，巴拉干的不拉多。Officiellement, à Kazan, la ville russe, c'est qui accueille le 16e sommet des BRICS, c'est qui durera 3 jours du 22 au 24 octobre. Alors, Kazan est devenu le centre politique, le centre de la politique internationale, car les BRICS se composent de 10 membres. Je rappelle qu'il s'agit de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et du Brésil. Et depuis le 1er janvier 2024, 5 nouveaux pays ont rejoint les BRICS, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. La cérémonie d'ouverture de ce monde se déroule en ce moment. Vladimir Poutine accueille ses invités étrangers. Mais depuis ce matin, les dirigeants russes ont tenu plusieurs réunions bilatérales. On peut dire que c'était vraiment un vrai marathon. Quelques mots sur l'accueil, comment se déroulait l'accueil des invités étrangers qui sont arrivés à Kazan. Il faut dire qu'ils sont tous été accueillis par la garde d'honneur à l'aéroport de... Comme mon ami la boya comme un barbe et bamboua pour l'engagé, oui, j'ai la fin. Comme un petit trap, moi, ça s'arrête de l'année pour le water. Moi, je vois, mais je vois pour un petit trap, c'est pour un aïe. Ça veut dire ça, c'est un peu plus d'ailleurs, c'est un peu plus d'amour de la vie. Il y a un peu plus de temps pour l'engagé, alors que, ayant ce gars-là, il y a un peu plus de temps pour l'engagé. Il y a un peu plus de temps pour l'engagé, il y a un peu plus de temps pour l'engagé, il y a un peu plus de temps. Dieu qui a mon amour de la table.
Mondiale dans quasiment tous les domaines. Alors tous les domaines qui ont été résumés par les médias français aujourd'hui, c'est-à-dire déjà première puissance nucléaire, première puissance économique et également une première puissance sur le niveau de la population. C'est énormément des différences. On a vu beaucoup de gens, mais non, c'est pas vrai. Hein. La Russie est affaiblie économiquement, hein. Ses partenaires, hein, c'est l'Europe pour l'instant qui est numéro un. Eh bien, détrompez-vous, là, je vais vous mettre exactement ce que les médias ont dit, et toutes les statistiques, et vous pourrez analyser de vous-même qu'on est réellement de la situation. En termes de nucléaire, est-ce que les BRICS pèsent plus lourd que l'OTAN? Eh bien, c'est vrai. Alors, regardez, on va dans le détail. Les poids lourds de l'OTAN, les puissances nucléaires, ce sont bien sûr les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. 3708 têtes nucléaires pour les États-Unis, 290 pour la France, 225 pour le Royaume-Uni. Total, si vous comptez bien, 4223. On regarde maintenant du côté des BRICS. C'est la Chine, la Russie et l'Inde qui sont les puissances nucléaires. On est à 4387 nucléaires pour la Russie, 500 pour la Chine, 172 pour l'Inde. Au total, 5052 têtes nucléaires. Donc c'est bien du côté des BRICS que l'on est le plus doté. Affirmation selon laquelle ce groupe de BRICS est en pole position dans le domaine économique est avérée. Et là encore, plutôt vrai. Regardez. Pour le moment, les 9 pays du groupe du départ représente environ 35% du PIB mondial. Si l'on compare cela aux pays du G7, aux grandes puissances occidentales, elles représentent, elles, 29,24% du PIB mondial. Et concernant les chiffres pour les BRICS, il y a certains chiffres qui donnent le tournis, notamment avec la Chine. Elle apporte un poids économique considérable au groupe. Regardez, elle assure à elle 65% du PIB BRICS. On termine avec une croissance pour 2024-2025, 4,4% annoncé pour les BRICS, contre 1,7% pour les pays du G7. Je termine avec quelque chose. Certes, ils sont moins nombreux, mais en termes de population, ils pèsent très lourd. Regardez, rien qu'avec les 5 pays du départ, on est sur à peu près 3,5 milliards de personnes. Ça représente 46% de la population mondiale. La Russie et les membres du groupe de la majorité en bon 900 Flana, c'est le terminal de Mbambourou, on y retourne. Samana, on y retourne encore, on y retourne. Cela veut dire que c'est nous, nous parlons de l'avenir. D'ici, il y a un problème, on y retourne. Je m'en vais. Voilà.
Donc on est demain, nous sommes avec l'Australie. En gang de Chicago.
n'y a que avec la partie de la maladie de l'étendue. La mairie d'Elne continue à payer son emprunt, mais depuis le début de l'année, l'État ne lui rembourse plus les loyers de la gendarmerie. Elle se retrouve en difficulté. 150 000 euros, c'est l'équivalent des salaires de 4 agents, par exemple, en catégorie C. C'est l'équivalent de son cours scolaire. On est parmi les gendarmerie. Quelle est la déclaration du candidat de la Maison Blanche, président des États-Unis, Donald Trump? Et si Joe Biden, l'assinateur de ce congrès, est responsable, serait même plus nombreux, certains pointent du doigt également Jens Stoltenberg, l'ancien général de l'OTAN. La décision de notre correspondante Paris n'a déjà fait rien. Cet homme à mes côtés, c'est Patrick Passin, directeur des éditions Talma. Il est aussi auteur, producteur et réalisateur de documentaires. Il vient tout juste de porter plainte contre Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN de 2014 jusqu'à très récemment. Selon Patrick Passin, l'ancien chef de l'Alliance Atlantique avait la possibilité d'empêcher la guerre en Ukraine et il aurait plutôt joué la carte du mensonge et de la provocation. Le 9 janvier 2020, donc 3 mois avant le président Sylvain, il interview avec le grand magazine allemand, le Spiegel, et le journaliste qui travaille, il dit mais que nous n'avions pas promis aux Russes de ne pas les étendre vers l'Est. L'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. La grande réunification a eu une proposition en 90. Et Jens Stoltenberg dit non, c'est faux. Ça n'existe pas, et il a dit même, il n'y a jamais eu un petit accord, même en coulisses, et donc le mot à Versailles, c'est simplement faux. Or, tout le monde sait, frappant les Russes, on demandait que l'OTAN ne s'étend pas vers l'Est, et là où il y a une circonstance aggravante contre Stoltenberg, c'est sur le propre site de l'OTAN. Sur le site de l'OTAN, on retrouve la quatrième fois, vous voyez, un cambou de numéro 10. On est comme un On est comme un tabouino. 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 On est comme
l'évangile se disait rapidement, on est trop que nous nous voyons là. Donc il est faut comprendre l'évangile là, parce que l'évangile de la route, voilà que c'est bon. Comme on a quand même pas de Avant la banni, Alessandro Mani Watraï, avec la caméra pour le temps où nous devons, ça m'a fait un peu de temps. Nous devons faire 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 un peu de temps. Il n'aura pas tiré deux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Je vous explique. En fait, le champ de maïs qui est là, c'est au point blanc. Le champ de maïs est protégé. Les deux frères Ivoiriens, chaque fois, ils viennent voler les maïs et aller vendre ça aux Maliens. Ça veut dire, moi, je ne peux pas comprendre qu'ils aient quitté en Côte d'Ivoire. Il y a champ de maïs même en Côte d'Ivoire. Les gens même s'en foutent même de maïs en Côte d'Ivoire. Tu quittes en Côte d'Ivoire pour venir faire ça en Europe. Mais c'est toi qui viens voler maïs. Ça veut dire que toi qui viens voler maïs en Europe. À cause de maïs, ils ont rapatrié deux compatriotes ivoiriens. Quelle honte! Qu'est-ce que vous allez aller dire à votre famille? Il est là.